Je vais même plus en Cayo et j'essaie même pas d'y aller. J'ai totalement abandonné l'idée d'aller vendre mes requins. En plus, ça prend tellement de Alors, place. du coup, là, je fais la recette islandaise, non, de Groenland, là, où ils font le requin fermenté, là. Donc, si je meurs du botulisme d'ici la fin de la semaine, là, ben, c'est à cause de LTD Cayo. Voilà. Radio, Eduardo? Toi, Rogi, ta radio? Non, c'est pour ça que je te demande si toi tu y es pour où j'y suis. D'accord, ok. Mais toi, radio. Ok, j'y vais. Voilà, je suis là. Voilà, Rocky. Il y a du monde là-bas ou pas? Ah ouais, c'est full là. Je sais même plus où donner la tête. Ils veulent tous venir au Mami. Il y en a 57. J'ai 300 paquets de cigarettes là. Mais j'ai décidé que j'allais rentrer finalement. Viens et tout, Dis-moi. Amadou, je te tire l'oreille. Aïe, Je te tire aïe, je fais l'oreille. quoi? Tu Je fais arriveras quoi? moins vite la prochaine fois. Mais moi je contrôle mon véhicule comparé à toi, là, sale fou du volant. Comment ça? Moi j'arrive doucement à chaque fois, moi. Ouais, bah moi, est-ce que je fais Doucement. des accidents quand je suis comme ça? Non, tout doucement. Oui. Mais Ah qu'est-ce qui merde, se pourquoi tu manques une porte? passe? Pourquoi tu manques une porte? J'ai fait un check, mais 6 heures après. Qu'est-ce qui se passe? Ah mais c'est quoi cette dégueu? Wouah, c'est pas possible, hein. Amadou, viens là. Viens là, Oui, Amadou. quoi? J'ai fait quoi? Attends, bouge pas, bouge Oui, je bouge pas. pas. Oh. Arrête de bouger! Mais je bouge pas, je Mais bouge tu pas. bouges! Ah, Arrête! je bouge pas, je bouge pas, je bouge pas. Voilà, là, je bouge plus. Non. T'as jamais vécu la tempête? Si, j'ai Ah. vécu la tempête à mon engagement avec le RH. C'est que Il y avait une moi, tempête en. littéralement, il m'a fallu 4 mois en ville pour vivre la tempête. Moi, pour moi, c'était juste, bon, ben, voilà, vous avez 1 minute pour aller dormir et puis basta. Je ne savais pas qu'il y avait vraiment des conditions météorologiques un peu particulières. J'étais vraiment pas au courant. Je pensais que c'était genre imagé, tu vois, dire, oui, la tempête, oui, d'accord, j'ai compris, mais non. Et puis après, une fois j'arrive, je vois des éclairs et tout, et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Non, mais ça c'est grave, vraiment c'est grave. Il m'a dit Il aurait que pris c'est son combien? parent, mais il a même pas pris son contact. Voilà. Voilà. Maman. Ah ouais, les chaussures lumineuses et tout. Ah écoute, je me suis dit dans le doute. Coucou. Ça va? On va peut-être ouvrir tout, mais. Oh. Allez, ça. Ah bon? Ah, je crois que j'ai pas. Ah, ça c'est bon, j'ai là. Bon, vas-y. Il oui. y a de Oh la musique putain! au moins. Voilà. Vas-y. Est-ce que la team Rose est là? Je veux vous entendre. On est Et si tu me donnes le top départ pour annoncer la nouvelle? Alors attention, c'est moi qui vais donner le top Mets départ. un masque ici, mets un masque. Les roses. Oui, c'est Est-ce que tout le monde m'entend correctement? Oui. Ok. Est-ce que vous êtes Un peu de prêts? silence, s'il vous plaît, messieurs, dames. Un peu de silence, ça va commencer. C'est Lexi qui va donner le top départ. À la fin, ça part en bagarre générale. Ouais. Attends, je sors mon Attention! panier. Non, non, Ok. Alors attention, est-ce que vous êtes prêts à savoir le sexe de l'enfant? Oui. Alors, attention, on fait un Faites un décompte. décompte. 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 5. 5. Oh non! Ils sont fous. Ouais, comme ça. Là? Ouais, Ah! Attendez, 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 parce qu'il faut annoncer les parents et les marraines. Oui, c'est vrai. Et ouais. Alors, en premier, on a les marraines. On va avoir Camélia, que tu vas être une super marraine.
C'est qui Camélia? Eh ben lève les mains Camélia. Lève les mains Camélia. C'est moi. Bravo Camélia. Bravo. Après comme deuxième marraine on a Shanice, la sœur de James. Bravo Shanice, lève les mains. Lève les mains Shanice. On voit pas c'est qui. Elle est pas là, Alors comme parrain, comme parrain, ça va être un peu triste parce que le premier parrain il est pas là, mais c'est Carlos, on le connaît presque. Carlos, incroyable. Carlos. Et alors, comme deuxième parrain. Arrête de sucer. Bravo Eduardo. Du coup c'est tournée générale pour Eduardo. Eduardo paye tout ce soir. Oui mamie, paye tout. Allez. Eduardo paye tout ce soir. Allez, paye tout. Mamie, tournée générale. Je crois qu'il y a toi aussi, Lexi, mais merci pour la confiance. Eh, les premiers mots de ton bébé, il va dire Jimmy, direct. Ah, c'est clairement. C'est un risque, ça. Ou alors, comment ça? Il y a moyen, il y a un monde où il peut se faire. Ah, j'ai dégoûté, j'ai fini. Je suis venu trop tard. Non, c'est pas fini encore la soirée. Paye ton verre. Ah, c'est quoi, tu sais qu'il a fermé le casier, il y a mes affaires. Gros, j'ai acheté filé 50 000 personnes qui a 10 000, 20 000 par là. Ouais, mais t'as j'ai plus de sucre. Je savais pas. Ah, mais t'as des pas. Ah, oui, c'est vrai. Qui t'appelle? Alors. Ah putain, ça va rester ça. La rose à la rosée. Monsieur, vous ferez attention, je sais. Il y a des messieurs qui veulent vous parler. Ah, bonsoir, monsieur, vous êtes le patron? C'est deux messieurs. Allez, venez, on va parler, monsieur. Qui dis-moi, tu vois. Vas-y, vite. Attends, je vais lui casser la gueule. C'est des flics. C'est des flics. Comment ça, des flics? Et pourquoi c'est pas mettez pas commencé par là? Bien, bien. Oh, l'accent, ça vient d'où? De Mexico. Américo, ok. Est-ce que je peux faire pour vous? Ok. Ça fonctionne bien votre entreprise, est-ce que je vois? Si, ça va, pour quê? Non, comme ça. Ok, d'accord. Ce sera tout? Ouais, je voulais juste voir. Est-ce que je pourrais prendre votre numéro au cas où j'aurais des questions, etc. Des questions par rapport à. Je me présente, agent 314 du SMP. Okay. Je suis parti d'une division au sein du SMP qui me fait être assez proche des entreprises, donc... Ok, d'accord. Si je peux avoir votre numéro... Celui qui danse pas, il sera maudit pour le reste de l'année. Maintenant. Ouais, mais il m'a monté de sa carte, donc je sais que c'est un vrai. Okay, mais au début, ça avait l'air d'être Gadorga qui voulait me faire des menaces à la base, donc... Ok. Mais du coup, vu qu'il me donne la carte, j'irai à me reprocher, donc je donne. Au fond de toi, s'il te plaît. Et tout le monde danse, bordel de merde. Qu'est-ce qu'il fait? Tu rêves ou... Il menace un putain de flic, il est complètement zinzin. C'est qui a menacé? Bah Bob qui menace un flic. Thiago, si tu me donnes 10 000 dollars, je te fais la même avec Thiago. Toi ça ferait go. Mec, ils sont pas synchro, c'est moi. Ouais, mais en même temps c'est pas possible de. Il y a quelqu'un qui passe. Mais on rajoute la 56 en plus. 456. La 56 en plus. Elle va s'ajouter. Il y a des clients. Non, tout le monde danse. Allez, bon, moi je vais l'intervenir. Enfin, je connais de la grève. Allez, Gustave. Allez, viens, moi, je peux. J'avoue. Renvoie Goumou. C'est de la bombe. Ah, c'est incroyable. Moi, je viens d'essayer. Oh, oh.
Non. C'est la combien ça? C'est yé. Yé. Tu faut que tu fasses toi-même. Ah, mais je sais pas faire. Oh, ah, les barrières s'en vont. Bah, tu fais ton muscle T. Et ensuite, ça s'appelle yé. Y-E. Ah, trop bien, tu vas dans les mots. Voilà, comme il fait le patrage. Ah, ok, j'ai compris. Elle en tire jusqu'à la fin de la musique. Vous annoncez la meilleure ou pas? Elle est très soufflée là, les gars. J'ai des voisins de fenêtre et je danse réellement. Il a mon petit sourire. Qu'est-ce que c'est? Allez, allez, les gars. Allez, on dit. 3, on dit fromage. 1, 2, 3, queso! Fromage! Queso! Fromage! Ya! Ok, ok. Attention! Le premier qui fait c'est tu ou pardon? Wow! Ça c'était violent! Ah, pardon, qu'est-ce qu'il fait pour la caméra? Ok, ok. C'est pas soirée. Regardez, y'a Luffy qui est là! Mais oui! Ya! Tu m'as rendu ya! Ça move ici, hein. C'est le fils. Rends l'heure que t'es. C'est Sissi, la vraie patronne. Tu veux une balle de Beretta directement dans la tête, là, maintenant? Merde, c'est fermé, putain. Je t'aurais insulté. Oh, attends. Tu m'as dit Beretta? Papetoire. Eduardo, il évolue. Dans le crime. Soi-disant que du lait. C'est qui le patron du coup? Sissi. C'est Sissi. C'est Sissi! M'en l'air. C'est fils de pute. Là, t'es bien baisé, hein? T'avais pas pensé à la puerta, hein? Ah, tu m'as baisé! Qu'est-ce qui passe encore? Waouh, mais qu'est-ce qui passe? On twerk, on twerk. Non, c'est bien, hein, c'est bien, c'est bien la culture, c'est bien. J'aime bien la culture américaine. Voilà, voilà, J'aime bien. On voit beaucoup quand même là. Ouais, je sais, je suis au courant, mais des fois je suis coincé. Et là, j'ai presque vu le bébé là, donc. T'as vu le bébé? Il est où? Il a presque vu le bébé. Vision. Je crois que t'entends, viens. Ah putain, comment il nous chauffe, là, ça va tuer. Ah oui. Sacré pétard. Et voilà. Vas-y, puis charpentier, c'est dans un autre monde. Ça, ça tire. Ah ouais. Ça tire beaucoup, même. Hein. Ça a tiré chez nous, là, non? Je dirais que c'est un SNS. Bon, c'est un petit joueur. Ah, y'a de la place en tant que serveur ou pas? Rocky? C'est passé sur le parking là? Ils ont tiré dessus. Ouais, ils ont tiré. Sur qui? On va mettre dedans. C'est deux gars. C'est deux guignols. Ils reviennent. C'est le type en moto. Ils ont buté la femme de ma vie. Putain! C'est le type en moto. Encore. Ou pas? Ouais, mais faut l'emmener à l'hôpital là. Elle se fait tirer dessus. Elle est enceinte. Catégorie sport. Oui. Allô? Allô, allô? Tu m'entends? Ouais, comme ça. Allô, je suis figé. Oh non. Allô, j'ai décroché le téléphone, tu m'entends? Patron, vous m'entendez derrière? Pas possible. Ok, tu m'entends? Je suis figé. Oui. Ça, vous prenez pour un plan. Bon alors, elle vient cette custom. Monsieur, un peu long un custom là.
Ah d'accord, ah mais j'ai compris, c'est une PO en fait. Ayuda! Ayuda! Ok. On est des sortes de merde du coup. Ah ouais, voilà, c'est moi qui conduis. Alors, quelle couleur vous voulez? Il y a bleu, rouge. Tu peux bouger toi ou pas? Non. Et j'ai aussi. Elle est bloquée la voiture, il faut qu'il revienne. On dirait un patron. Les patrons qui sont hyper cons là, qui sont avec tous les employés. Eh, hey, quand il revient, je vais être au-dessus, il va pas me voir. Je suis sur la table, je lui parle. Voilà, il veut plus s'occuper de nous. Alors, ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est? Ah, et vous, là, en rouge, là. Et non, vous, non, là. Non, c'est bon, il revient, regarde. J'interdis de choisir les gens à ma place. Qu'est-ce que tu racontes? Mais non, laissez tomber. Chef, sors. Allez, sors du cocher. Non, c'est bon, il est revenu, le collègue. Ouais, mais tu m'entends, ça y est? Le mec va venir. Tu m'entends ou pas, bordel de merde? Bah, faut que tu me dises ce que tu... Non, il t'entend pas. Bon, Rocky fait... Ou transcrit ce que... Troisième dans la catégorie sport, les troisièmes. Troisième catégorie sport, il dit... Faut déjà que je trouve... Quel modèle de roue? La catégorie sport, catégorie bordel, mais qu'est-ce qu'il... Oh putain, je te jure, j'ai oublié de t'entendre. Pourquoi il était sport? Mais les jantes, genre, il veut quoi? Et les jantes, c'est quoi que tu veux, du coup? Troisième, je l'ai dit, 140... Troisième, apparemment. Oh, troisième. Oh non, c'est là, il les a passés, bordel. Mais il fait exprès. Apparemment, c'est juste avant. Les troisièmes. Ils sont numérotés. Celle-là ? On va se tromper. Non, ça, c'est pas les troisièmes. Non, ah, encore avant. Encore avant. Ça ? Encore avant. Encore avant. Mais avant 3 ou encore avant ? Encore avant. Je fais juste que traduire ce qu'il me dit, moi. Encore avant. Gustave, réponds-moi. C'était au début, hein. C'était au début. C'était encore, les trois premières. Encore au début, apparemment. Je comprends rien. Celle-ci. Ça, voilà. Ça. Ça wow. C'est les numéros combien c'est, demande ça, c'est quel numéro ça du coup qui demande c'est le 10. 10. Ah d'accord. J'ai l'impression que t'es un interprète de parler avec deux personnes qui parlent pas la même langue et moi j'ai fait l'intermède. Je sais pas si j'enlève la couleur du coup, je la laisse noire et gentille. T'entends Rocky ou pas Gustave? Ah les jantes, ouais j'entends. Je les laisse noires ou... Vas-y traduis quand même. Il demande s'il les laisse noirs ou pas. Est-ce qu'il arrive à mettre ton carrosserie, c'est peut-être beau. Et est-ce que t'arrives à mettre le ton carrosserie pour être beau? Tu mets de quoi? Traduit, non, je pense que ça va pas être beau. Non, je pense pas. Je peux rien mettre en carrosserie. Tu peux rien mettre en carrosserie. Ouais, tu peux changer la plaque ou pas? Tu peux changer la plaque ou pas? La mettre en noir. Tu peux changer la plaque ou pas? C'est lui qui parle. Téléphone en noir. En noir. En noir là. Voilà, en noir. C'est bien comme ça. Ça, c'est bien comme ça. Et c'est tout? C'est bien comme ça. Ouais, vas-y. Il dit c'est tout. Tu l'as pas traduit. Non, il a dit c'est tout. Gustave, c'est moi qui paye, dis-lui. C'est moi qui paye, c'est moi qui paye. J'ai payé. Bam, allez, bam. Oh, comment il a payé? J'ai payé parce que t'es dans la coachée. Il fallait justement que tu sois pas dans la, que tu sois dans la coachée pour payer. Oh, putain. C'était pas trop cher, non? Oui, oubliez pas, vous avez failli démarrer sur notre ami fantôme. Ah ouais? Non, c'est bon, il est dedans, c'est bon. Vous le voyez toujours pas, mais il est là. Il vous touche, c'est lui qui conduit. Il vous touche la cuisse là. Dis-lui, il conduit. C'est trop compliqué. Voilà, messieurs. Gracias, señor. Bonne soirée. Donc là, il voit personne qui conduit la voiture. Non. Attends, vas-y, auprès de lui. Elle est figée. Ah, mais c'est toi, en fait, le problème. Mais non, bah, essayez. Oh. Ah ouais, c'est moi. Ok. Bon, c'est moi. Je peux plus conduire de coacher. C'était lunar, vraiment. Cette situation était lunar. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais même plus qui comprenait et qui l'entendait. Gustave, il s'énerve. Mais pourquoi on devrait écouter l'autre? Mais de qui il parle? Mais vous l'entendiez, vous, le mécano? Oui, derrière. Le mécano, moi, oui. J'entendais pas en plus à l'avant comme ça. Mais j'en sais rien, j'imagine. Parce que s'il fait du quad. Là, je faisais pas du quad actuellement, mais là, il était en train d'aller modifier un nouveau quad. Non, je suis pas en train de modifier, je suis sur le parking. Venez, venez, putain. Oh, j'arrive faire du quad, attendez-moi. Des quoi, t'as la disponibilité là? J'arrive! Qu'est-ce que tu fous là? Attention! J'ai fait tomber le patron, mais il a mis sa table! Je pense que je peux atteindre le mur, mais je suis pas sûr! Le meilleur moment, Lexi, c'est quand elle pose la table, regarde!
C'est Eduardo qui l'a poussé. Mais non, quoi? C'est toi qui l'a poussé. Mais y'a rien. Allez, fait le bébé mort. Oh, le bébé, c'est vrai. Non, non, il va bien, il va bien, il va bien. Il va même mieux qu'avant, je trouve. Ouais, il va bien, il va bien. Ah ouais, il a bougé. Au moins, tu l'as bien senti bouger, là. Ah bah là, il a bougé, hein. Oh. Mais putain madre, mais il me pousse! Ah? Ah non, ça a été enlevé. Ok, d'accord. Oui, c'est... il y a un petit souci. Là. Oui, bah je pense qu'on est pas censé faire ça, les gars. Oui, je... Allez, bah ça. Tu vois, on arrête les conneries, ça suffit. Et je vous le dis, hein, je vous le dis. C'est moi, c'est ma faute. Oh bon Dieu, oh, pardonne-moi. Putain, André. Je t'implore. Hop, je t'implore. Tiens, tiens. Les tables, en fait, c'est le tremplin qu'on avait fixé, les vis, elles ont pas tenu. Ah, oh, merde. Toutes les vis qu'on avait mises, elles ont pas tenu, c'est tombé d'un coup. Ah, fais chier. Ça va, tranquille. Je suis vraiment très déçu. Fais quoi, tranquille? Qui a dit tranquille? Je sais pas. C'est toi qui a dit tranquille? Moi? Non. Ah, il y a un monsieur au-dessus de nous qui nous parle. Ouais, c'est vous, ah, oui. Ça va, vous trouvez ça normal le... Non, c'est moi, ouais, chef, c'est moi qui ai l'idée. Okay. Est-ce que tu pouvais les retirer, s'il te plaît, progressivement, s'il te plaît, les trucs là? Ouais, je vais les enlever toutes. Mais recommencez pas, s'il vous plaît. Non, là, attends, c'est l'idée à la con, j'assume, pas. Désolé. Attendez pas, c'est pas la salle. Oui, non, d'accord. D'accord. Ce que je veux dire ou pas? Salut, c'est la salle. Combien de tables? Mais juste pour la cohérence. C'était fou, furieux. Juste un truc pour la cohérence, on avait mis des vis entre les tables. Oui, sur les arbres. Ouais, j'ai mis des vis, ouais, pour le RP. Vas-y, vas-y, hey, vas-y, va me retirer les tables. Les enlever, je les enlève. Désolé. Eh ben, je peux t'assurer que si, sinon serait... il y aurait plus de Mexique déjà depuis un moment. C'est vrai, mais pourtant. Oh, Gustave, on a eu. Oh non. Elle est partie où? Chier. Je crois qu'elle est tombée sur ton charme. Elle a essayé de me... Alors, on a essayé de me relever, elle a pu se traverser ma crème. Soit il fait la gueule parce que j'ai fait un tremplin improvisé alors j'aurais pas dû, voilà. Mais j'ai rien dit, laisse-moi tranquille. Ouais, mais j'ai eu un coup de fil de la mairie, je te signale. Il fallait assumer, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, rappelez-moi maintenant, j'ai dit, monsieur Varga, pourquoi? Ouais, c'est ça. Non, c'est pas vrai, j'ai donné mon nom. De toute façon, il le voit. Oui, bah oui, je sais. Pour faire chier. Non, moi j'ai... Non, mais... Si un... Non, non, je peux pas le Sénat, tout ça, bon. Ça y est, ça fait... Ah, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Mais putain, mais mon skateboard! Mais putain, madre! Non, mais c'est bon, en fait, c'est trop, là, ça y est.